il est question de réouverture du palais des sports, et pour ce faire, compte tenu que l'établissement est resté sans activité pendant plus d'une année, donc il s'agit de réunir la commission de sécurité. Donc aujourd'hui, il s'agit de réaliser un entraînement, une pré-visite. Donc voilà, c'est une répétition avant la commission qui se déroulera le 27 de ce mois-ci, donc jeudi prochain, où on espère avoir un avis favorable. Alors, avis favorable, ça veut dire que toutes les contre-indications, tous les défauts qui existent, on ait pu les lever depuis que nous avons repris le palais de sport enrichi. Pendant un très long moment, il avait été fermé, notamment à cause du Covid-19. Bien sûr, il a fallu remettre à jour et aux normes ce palais des sports. Maintenant que c'est fait, nous devons nous assurer que nous n'avons eu aucun manquement et de faire en sorte que, lors de la visite officielle avec le sous-préfet, qu'on puisse signer la réouverture de ce palais des sports, que tous les Gauziriens et que tous ceux qui viennent pratiquer dans cet établissement puissent enfin revenir à leur activité normale.